Alors, chers téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise, merci de nous recevoir chez vous à travers notre émission intitulée Tribune de la Diaspora. Cette émission qui revient chaque samedi de New York City avec votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe. Don Kayembe, aujourd'hui, a voulu que cette émission soit une émission purement virtuelle, c'est-à-dire nous aurons beaucoup d'invités qui vont intervenir en même temps vu l'abondance de la moisson, c'est-à-dire l'actualité est tellement abondante au pays qu'on va décortiquer avec ceux-là qui sont informés et ceux-là qui suivent l'évolution et qui ont le Congo à cœur à partir de l'extérieur. Nous avons connu le 9 juillet une marche à Kinshasa et à travers la République dans certaines provinces. La marche a été faite pour combattre le hold-up électoral. Donc, si on veut nous amener quelqu'un à la tête de la CENI, la personne qui ne semble pas avoir l'équitus de tous les Congolais. Il paraît qu'il n'est pas membre de l'église kimbanguiste, mais il a été présenté comme candidat de l'église kimbanguiste et de Kimbangu. Ils ont dit non, il ne fait pas partie de nous. Est-ce que cette marche était nécessaire? Hein? Est-ce que vous attendez à un résultat quelconque après cette marche? Parce qu'il y a l'amour qui appelle aussi la marche le 13 le lundi. Si je peux intervenir. Allez-y, Maître Olivier. Ok, il y a deux choses. D'abord, le gars, d'après ce que vous venez de dire, qu'il a usé de l'étiquette de Kimbanguiste pour être élu, voilà encore un usage de faux. Voilà, en ce moment-là, c'est un délinquant. Alors, l'autre partie, est-ce que la marche était nécessaire? D'abord, moi, je demande, que reproche-t-on Malonda, si ce n'est que son usage des faux, de se passer pour l'homme de Kimbanguiste. Si ce n'est pas seulement cela, alors moi, qu'on me dise, que reproche-t-on à Moussa Malonda? Je suspecte d'avoir travaillé dans le système qui a organisé les élections chaotiques la fois dernière. Et il est dans le système depuis le début, en commençant par Malumalu. Il a travaillé avec Ngoyi Mulunda, il a travaillé avec Nanga, et tout ça, ça fait partie d'un groupe des gens qui ont fait ce qu'ils ont fait pour le pays, et les gens ne sont pas d'accord avec ce système-là. On voudrait qu'on change les femmes et les gens. Mais, monsieur Don, s'il faut parler de fraude, alors ne faisons pas du deux poids et deux mesures. Si vous reconnaissez qu'il y a eu fraude, donc carrément vous reconnaissez que le président de la République est issu d'une fraude. Pas du tout. C'est un peu de recadrer ici sur la personne de Malonda. On ne parle pas des élections qui sont passées. Nous parlons de cet individu pour lequel il y a eu une marche. Est-ce que cette marche va donner des résultats pour les mettre dehors? Bah alors là, je n'ai pas de réponse parce que moi je me limitais au niveau de reproche. Je cherche à savoir qui reproche-t-on à M. Malonda. Quelqu'un d'autre? Nous avons Christian. Christian, est-ce que vous allez intervenir? Ok. Je commencerai par quelque chose que... qui devrait être nécessaire. J'estime ceci. La CENI, qui est une structure qui a été décriée, ok, depuis le temps de l'abbé Malumalu et les autres, jusqu'à M. Nanga, c'est une structure qui a été décriée par son fonctionnement. Alors, j'estime à mon humble avis, j'assume me dire, qu'il devrait d'abord être restructuré. Avant de commencer par des élections, un nouveau président, on devrait d'abord restructurer la CENI, c'est-à-dire voir ce qui a poussé au fait qu'on arrive à aujourd'hui au fait qu'il y ait, on ait perdu confiance en cette structure. C'était ça le problème en amont. Et bien sûr, en descendant, aujourd'hui nous avons vu que tout le pays, tout le Congo a été soulevé, a été bougé par des soulèvements spontanés de toute la population, qui est le souverain primaire. La population a dit non à encore un hold-up de la CENI. Étant donné qu'on repart, la CENI qui a été une structure vraiment décriée et on remet encore quelqu'un qui a été
dans les rouages depuis Malou et tous les autres. C'est juste tout à fait normal qu'on l'accepte juste pas parce qu'elle n'a pas été structurée, restructurée, il n'y a pas eu d'audit. On ne sait juste pas encore aujourd'hui si la personne qui est mise dans cette structure pourra continuer le même travail qui a été fait lors des élections de 2018 parce que c'est vraiment l'enfant de la CENI. Donc, il connaît très bien le rouage. Donc, l'enfant de la maison. Donc, ça, c'est mon humble avis. Je crois qu'un autre intervenant pourrait dire quelque chose et bien sûr après on va trouver qui est Malonda, qui est de, il se dit Kimbanguiste alors que l'église Kimbanguiste dit qu'il est, il est chrétien, donc c'est encore il est catholique, je voulais dire, donc voilà quoi. Ok, merci Christian. Kali, vous voulez intervenir? Kali? Oui, bon, je vais essayer d'intervenir pour donner un peu mon point de vue. En fait, j'ai vu la pertinence des questions et de l'attitude d'Olivier. Et il s'est réfugié de dire, bon, en tout cas, je n'ai pas de réponse à cette question. C'est un peu difficile parce que l'énigme existe. Il faut pas se leurrer. L'énigme existe. La question de se poser pourquoi est-ce qu'on est contre Malonda est une question authentique. Hein, et cette authenticité là-bas ne peut pas s'empêcher de fouiller dans le passé. Et le passé dont nous connaissons, en fonction du rôle qui veut lui être attribué, c'est sa participation dans les opérations de la CENI pendant les deux dernières élections, hein, et où tout le monde décrit qu'il y a eu vraiment des inadéquations. Hein. Bon, la CENI doit être normalement une des institutions dans le pays qui doit vraiment refléter la neutralité. À partir du moment où on voit que l'une ou l'autre partie ou des parties commencent à se disputer le contrôle de cette CENI, bon, ça augure un mauvais départ. Hein, ça, et c'est ce malaise-là qui est exprimé par le camp de l'UDPS et les autres qui voient que non, bon, si le FCC, bien que dans les structures constitutionnelles, ça signifie l'Assemblée nationale doit entériner le président de la CENI, hein, sa nomination, peut-être son vote, je ne connais pas très très bien tout le processus, s'ils doivent entériner la nomination de ce monsieur là-bas, de ce responsable, ça devient un problème. Ça devient un problème parce que nous pouvons dire, ça c'est mon opinion, nous avons déjà été piégés au départ. On a été piégés au départ parce que la Constitution dit que le vote doit être majoritaire dans l'Assemblée. Mais effectivement, quand nous allons maintenant dans l'Assemblée, c'est là qu'on nous a piégés. C'est comme si vous construisez une grande barrière ou clôture dans une forêt. Hein? Les animaux qui seront dans cette forêt là-bas, bien que l'étendue est grande, ne seront jamais que ils sont en fait en captivité. Je ne sais pas si vous percevez l'image. Donc nous avons été piégés dans le Parlement où nous avons une fosse. Je ne peux pas dire fosse parce que c'est celle qui est là. Si je dis fosse, ça va entraîner beaucoup d'autres logicismes. Hein, donc, nous avons une majorité qui est là, qui est reconnue par la Constitution et qui a le droit ou le mandat de nommer la personne de là. Donc, il y a certainement un énigme. Mais quant au résultat de la marche, pour moi, s'il y a un énigme et malaise social, une marche est nécessaire, surtout si elle se veut pacifique. Les conséquences de cette marche là-bas, s'il y a eu débordement, il y a eu, hein, comme on a décrit avant, vous parlez des conséquences. Bon, merci. Disons, l'image de la forêt, c'est en rapport avec ce que j'avais dit, que nous sommes déjà piégés avec la majorité au Parlement et qui nous donne un semblant de démocratie. Alors, pour revenir vraiment à votre question, pour moi, la marche était nécessaire et les conséquences sont déplorable, mais c'est la voie un peu obligée. Nous avons
Le sang a coulé au Congo avant, hein, pendant les marches. Nous en connaissons les résultats. Nous n'avons pas pu, et le, disons, les tenants du pouvoir n'ont pas pu nous amener le troisième mandat. Ils ont essayé de faire l'histoire comme ça. Et le peuple a résisté. Et nous ne pouvons pas ignorer le résultat que les marches ont apporté au processus démocratique au Congo. Donc, je pense que notre pays, étant en plein essor démocratique, on ne peut même pas se poser la question de savoir la validité d'une marche ou pas, surtout si elle se veut pacifique. Le peuple veut le changement, et le changement est toujours résisté par ceux qui pensent qu'ils vont être lésés. Donc, et généralement, ils ne résistent pas pour l'intérêt général, juste pour des intérêts égoïstes. Voilà. Ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter? Donc, ça, c'est très important. C'est que... Moi, je ne vais pas ajouter, mais je veux plutôt réagir à ce que... À ce que vient de dire le dernier intervenant, et aussi bien... Oui. Appelé par le nom, c'est Kali. Kali, oui. Je reviens. Je veux réagir par rapport à ce que venait de dire Kali et aussi Christian, Kayas. Mm-hmm. J'ai beaucoup aimé leurs analyses, mais seulement elles se sont limitées au milieu du chemin. Parce qu'ils n'ont pas conclu leurs analyses. Moi, j'attendais plutôt qu'ils disent qu'ils reconnaissent que les élections passées étaient chaotiques, n'étaient pas crédibles. C'est ce que moi j'ai demandé. Écoutez, j'en viens. Et les résultats, on les connaît. Ils se sont seulement abstenus de dire. C'est tout était regrettable. Alors, maintenant, je me demande, qu'en penche-t-on à l'homme qui a été aux organes des élections passées et l'homme qui a fait qu'on connaisse les résultats qu'on a connus, puisqu'il était secrétaire exécutif. Alors, pourquoi ne pas lui redonner la même confiance qu'il avait avant? Donc, je pense que la marche n'était pas nécessaire sur celui qui avait été membre organisateur des élections que vous louez aujourd'hui. Bon, Monsieur Olivier, je voudrais un peu éclairer avant que quelqu'un d'autre revienne. Donc, si les gens ont marché, quand on parle d'une élection, c'est un processus. Donc, c'est-à-dire il y a eu présidentiel, parlementaire, et nous attendons municipal et local. Mais il s'est fait que s'il y a eu entorse, il n'y a pas eu entorse sur toute la ligne. Donc, surtout là où les gens ne sont pas d'accord. Et même lui, Malonda, il sait que la façon dont on a nommé les parlementaires, la façon dont on a amené le processus jusqu'à la fin, n'était pas correcte. On ne dit pas que tous les parlementaires n'étaient pas élus correctement. Il y en a qui étaient élus puisqu'ils sont reconnus dans leur base. Il y en a d'autres qu'on a amenés par la magie de Malonda et de Nanga. C'est de quoi nous parlons ici. Nous ne parlons pas ici que si on dit que tout est, y a eu fausseté, ce n'est pas tout qui était faux. Il y a eu quelques éléments qui étaient bons, peut-être minoritaires. À la présidence, par exemple, certains députés, par exemple, alors on n'a pas dit que tous les députés n'ont pas été élus. Christian, tu veux intervenir? Oui, je voulais juste dire. Je me limite au résultat et j'ai dit que la fin justifie les moyens. Christian. Je crois que moi, Maître Olivier, on a beaucoup à se dire. C'est une autre partie du débat qu'on trouvera. Bon, je veux juste pas m'éparpiller maintenant. Ce que je voulais dire pour paraphraser encore Khalil plutôt, je crois que. Nous avons affaire aujourd'hui à des forces du statu quo qui décident de maintenir la pression contre le souverain primaire qui est le peuple. Le peuple s'est manifesté spontanément pour dire non à cette pas structure. Pas spontanément, c'était une marche appelée par l'UDPS. Bon, je veux dire une marche appelée par l'UDPS. Donc, UDPS parti au pouvoir, bénéficiant des résultats. J'ai l'ordre, s'il vous plaît, quand on veut parler, je ne veux pas entrer dans le débat de Maître Olivier, c'est un débat vraiment qu'on devrait. J'aime beaucoup Christian.
Oui. Alors, ce que je voulais dire, ceci. Cette marche a été appelée, cette marche a été pacifique, nous l'avons tous vu, mais elle a été réprimée. On connaît les conséquences du sang qui a coulé du point du côté policier et civil. Mais ce que je voulais dire, c'est ceci. Cette marche a été appelée pour une raison. La structure CNI, c'est la structure qui est décriée par tout le monde. La structure, de cette structure découle un personnage, une personne qui est l'enfant maison, qui est Malonda, dont les circonstances pour être président sont encore très floues. Les confessions religieuses décrites. Et encore une fois, on revient à ce que j'ai dit en amont. On aurait juste dû restructurer on pourrait mettre aujourd'hui Don ou mettre Olivier ou non encore le confrère Khalil à la tête de cette structure qui est déjà pipée au début. Qu'est-ce qui changerait? Rien. La structure ne change pas. C'est le même train qui continue avec un machiniste différent. On devrait changer l'engin, la cheminée. On doit tout changer. Et on pourrait remettre quelqu'un d'autre, mais la structure CENI sera décriée avec tout ce qui en découle, tricherie, ici, les dépipés. Ça, c'est de quoi ma seule intervention en ce moment. Alors, le terrain est favorable à la tricherie pour n'importe quoi. En effet. Pour là-bas, dans ce jeu, il faudrait mettre les règles des jeux telles que même si on mettait quelqu'un qui n'est pas crédible, il va échouer de tricher. Vous avez tout compris. C'est ça, maman. Le terrain est favorable à une autre tricherie. Donc, c'est-à-dire, il faudrait commencer par restructurer ou bien revoir d'abord les textes qui commandent. Qui régissent la CENI. Vous avez tout dit. C'est ça. Alors, Maître Olivier? Moi, je pense que c'est mon tour. Maître Khali. OK. Khali, alors, allez-y, je m'excuse. Bon, voilà. Merci. Merci, Olivier. Merci, M. Don et Christian. Bon, c'est un droit de réponse à M. Olivier, mais ce n'est pas une réaction, c'est juste une observation. Et je voulais en appeler au modérateur, qui êtes-vous, Monsieur Don? Je ne pense pas qu'il faut arrêter quelqu'un quand il veut donner son point de vue, même si ce point de vue va remettre en question la légalité de la présidence de la République. Nous sommes en démocratie, nous devons vraiment à nous bâtir, nous construire pour développer des nerfs solides pour supporter ce qu'on ne veut pas entendre. Par exemple, dans le cas d'espèce, je pense que monsieur, c'est peut-être le seul juriste sur cette plateforme, n'est-ce pas? Oui, monsieur Olivier. J'ai terminé aussi en droit l'unique. Voilà, donc nous avons deux juristes. Ici, Olivier, je pense que vous restez un peu figé dans le sens de la légalité. Donc, vous faites des conclusions en fonction de ce qui s'est passé. Ce sont des conclusions tout à fait logiques. Je pense que je l'avais dit dans le forum AVDC, je l'avais dit que c'est une réflexion logique. Mais cette logique là-bas, qui est peut-être conforme à la logique, doit aussi prendre en réalité les réalités politiques. Parce que ici, nous parlons de la politique. Et la politique, c'est le contrôle de l'État. Donc, c'est un groupe de gens ou une personne qui pense que ses idées sont vraiment favorables pour contrôler l'État et faire avancer une certaine société. Donc c'est un groupe de gens qui agit selon une idéologie. Une idéologie, voilà. Donc, c'est un peu ça. Bon, maintenant, ça, c'est la politique. Et ils vont utiliser des moyens. Et malheureusement, le résultat est tel que ce que nous avons retrouvé. Moi, je reste dans la logique. D'abord, je resterai toujours dans la logique. Si un raisonnement est logique, je vais l'applaudir. S'il n'est pas logique, je vais aussi donner mon point de vue. Donc, je demanderai à Olivier que j'accepte. Je peux accepter que non, il y a eu entachement des résultats des élections, mais je suis aussi réaliste du fait que quelqu'un a été sworn in, quelqu'un a prêté serment par une institution qui est reconnue au pays, la seule institution qui est reconnue au pays
à rendre quelqu'un un président de la République. C'est déjà un fait. On ne peut pas rester là-bas où on avait, quelqu'un avait prêté serment, on n'était pas content, on n'était pas d'accord, mais parce que c'était des élections qui étaient touchées ou quelque chose comme ça. Nous devons avancer. On doit avancer. C'est dans cet avancement là-bas qu'aujourd'hui, nous devons prendre toute réalité en compte pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour mieux faire. C'est ça l'avantage de lire l'histoire. Quand nous lisons dans l'histoire, nous nous préparons pour comprendre ce qui s'est passé, quel est le résultat que nous avons aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut faire pour préparer l'avenir. Donc, je peux être de votre avis que ce que nous avons au pays, c'est le résultat des élections qui ont été tronquées, mais je suis aussi conscient que présentement, si quelqu'un me demande dans la rue qui est votre président, je dirais M. Félix Antoine Tshisekedi. Donc, c'est ça le réalisme que moi j'ai en addition avec la logique qui me reste. Vous comprenez? Donc, le président Tshisekedi est là, il est président, l'Assemblée, elle est là. Il n'y a pas d'autre structure ou d'autres institutions avec lesquelles nous pouvons travailler pour changer les choses. C'est seulement ce qui est en place. Je pense que j'ai lu quelque part que Martin Fayoulou, par exemple, a dit, bon, il a enterré la hache de la guerre et il s'est rendu compte que, bon, on peut aller travailler. Khalil. Bon, je pense que j'ai terminé. C'était pour dire que la logique, oui, le réalisme aussi, oui. Et nous devons chercher à aller de l'avant à partir du point où nous sommes, bien sûr, en étudiant le passé, en regardant les conséquences de l'histoire, où ça nous a amené, et à chercher à améliorer, aller de l'avant. J'inviterai vraiment sincèrement Olivier à nous rejoindre dans le présent et chercher des solutions ensemble en tant que Congolais pour aller de l'avant. C'est tout ce que je peux dire. Je ne m'insurge pas. Maître Olivier, une minute. Donc, je voudrais dire, Monsieur Khalil, je ne cherchais pas à bloquer quelqu'un de s'exprimer, mais je voudrais recadrer puisque le sujet du jour est bien spécifique. Mais si vous voulez extendre, là, il n'y a pas de problème. Mais de toutes les façons, ce que je sais et que vous connaissez, tout ce qui est logique n'est pas vrai. Il peut y avoir une logique, c'est-à-dire il y a une procédure ou bien une logique qui se suit et qui donne une conclusion. Et cette conclusion, c'est une logique qui vient, une conclusion, je veux dire, qui vient des pessimistes, qui démontre une logique qui n'est pas nécessairement vraie. C'est ce que nous connaissons et vous le connaissez aussi. Alors là, nous revenons à Maître Olivier. Maître Olivier. Ok. Alors, je ne m'insurge pas contre l'intérimement du chef de l'État qui est tout simplement la volonté de la Cour constitutionnelle. Je suis avocat, je ne peux pas aller à l'encontre de la décision de la Cour. Alors, j'ai dit tout simplement qu'on reconnaît, même pas qu'on reconnaisse, je vois que vous reconnaissez qu'il y a eu triche, enfin, la CENI précédente n'était pas bonne, n'a pas fait du bon travail. Alors, on la reproche de tricherie, de fraude et consorts. Et la même CENI là, qu'on reproche de tous les noms, de tous les mots, c'est la même CENI qui a publié les élections, lesquelles ont été entérinées par la Cour constitutionnelle. Alors, moi, je demande maintenant pourquoi, quand ça va pour l'UDPS, on applaudit, et maintenant que ça ne va pas pour l'UDPS, parce qu'on voit la même CENI revenir avec la même. Alors, moi, je me remettais seulement à une critique que je ne trouve pas juste. C'est celle de reprocher à Malonda, qui était aux cuisines des élections passées, donne-lui la chance. Donnons la chance à que cette marche n'était pas nécessaire, il faut qu'on le laisse là-bas alors. Elle n'était pas nécessaire du tout. C'est de l'acharnement sur Malonda, tout simplement, et sans raison. Ok, alors okay. Nous allons vers Maître Christian. Maître Christian. Bon, je crois que et Olivier, Maître Olivier, nous avons des petits détails qui nous diffèrent un peu. J'estime, comme je l'ai dit plus tôt, que le problème et la structure, ce n'est pas la personne Malonda. Personne, je doute fort que les forces politiques qui ont poussé à cette
à cette démarche, pour les parce qu'il y en a encore lundi encore qui vient, n'ont pas un problème personnel. On doit dépersonnaliser cela. C'est pas la personne Malonda, c'est la structure, c'est le processus ayant conduit à la personne d'y accéder. Que l'on puisse continuer à tourner autour du fait que, bon, il y avait eu tricherie, il y avait eu beaucoup d'imperfections, c'est un fait. Évoluons. Nous sommes aujourd'hui en 2020. Il y a eu des imperfections dans la CENI en 2018. Que devrions-nous faire pour que ça n'arrive pas? C'est là où on doit baser le débat aujourd'hui. Non à ce hold-up encore, parce qu'on ne peut pas continuer à décrier la même machine avec un autre machiniste. On doit changer la machine et les structures. C'est cela qu'on doit faire. Et j'estime que cette marche, ce mouvement populaire doit continuer parce qu'aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est quoi? Toute la population, toutes les forces politiques, sauf peut-être une, sont contre cette structure, ce rouage qui est la CENI. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Parlement aura le dos au mur. Il risque d'entériner juste une personne qui est décriée par tout un peuple. Alors, toutes les forces politiques, voilà où on va aujourd'hui. On a essayé cela pour ne pas monopoliser la parole quand on voulait donner un troisième mandat et vous rappelez ce qui s'est passé. Oui. Donc, voilà. Alors, Chris, je reste avec vous pour poser cette question. Il y a eu des bavures. Il y a eu apparemment 4 morts jusque-là, ce que nous parlons, mais officiellement, c'est-à-dire la police nous parle de 2 morts, mais l'UPPS et tout le monde sait qu'il y a eu 4 morts, dont un policier. Est-ce que vous voyez que vraiment il fallait qu'on arrive là pour juste arrêter quelqu'un de gérer une institution? Bon, il est vrai aujourd'hui qu'on doit se poser la question. Quels sont les moyens de recours que notre population a? Exactly. Quels sont les moyens de recours? La Constitution nous prévoit, donne accès à la population, le droit de manifester. La population que nous avons vue partout, Kisangani, Kinshasa, à l'intérieur, n'a pas d'armes, si ce n'est que des bouteilles d'eau et des masques. Mais en face d'elle, qu'est-ce qu'elle a? Elle rencontre une police armée avec des armes létales qui tire sur une population sans armes. C'est très malheureux qu'il y ait des morts d'hommes, comme je l'ai dit plus tôt, côté policier civil, c'est très malheureux. Mais ce qui me fait encore mal, c'est qu'on devrait restructurer cette police. Cette police devrait être réencadrée. On doit leur apprendre comment gérer des manifestations pacifiques. Parce que, dites-le-nous, cette police aujourd'hui qui crie quand elle a en face d'elle des clowns avec des machettes, elle fouille. Mais quand elle a en face d'elle des manifestants ayant seulement des bouteilles d'eau et des masques, elle tire dessus. Il y a un vrai problème. Et qu'on en arrive là, c'est très malheureux et déplorable. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est ça. Alors, merci beaucoup, Chris. Kali. Oui, bon, je vais peut-être abonder dans le même sens que Maître Christian. Je l'ai dit avant, les conséquences sont déplorables. Je repose encore la question que M. Christian a posée. Qu'est-ce que la population a d'autre comme moyen pour mettre pression? C'est très, très important. Et encore une fois, on va dire, il a parlé aussi de ce dont j'avais parlé avant, nous avons connu des morts. Le Congo porte encore le deuil, hein, parce qu'on portera le deuil jusqu'à ce qu'on retrouve la justice pour les morts qui sont tombés pendant beaucoup plus de manifestations. Ça n'a jamais été fait. On a même interdit aux familles par moment de ne pas faire le deuil. Donc, nous continuons à porter le deuil. Nous devons comprendre que nous sommes dans un processus démocratique. Nous ne sommes pas une démocratie établie. Nous ne sommes pas une démocratie établie pour avoir un comportement ou un raisonnement qui
qui va dans le sens de la démocratie en France ou bien des démocraties ici aux États-Unis ou un peu partout où on peut dire que les démocraties sont établies. Nous sommes dans un processus démocratique et vous devez comprendre, comme je l'ai dit avant, qu'il y aura de la résistance. Il y aura de la résistance pour ceux qui ne veulent pas qu'ils perdent les rênes du pouvoir. Donc, c'est un peu ça. Mais pour rejoindre Maître Christian, le peuple n'a que ça pour, comme moyen de pression. Et je pense qu'on doit continuer à l'utiliser. Les conséquences, il y en aura. Je ne le dis pas parce que je suis loin du pays. Je serais peut-être déjà mort si j'étais au pays à cause de ces manifestations, hein, connaissant mon tempérament. Mais c'est quelque chose d'inévitable. On ne peut pas s'empêcher de faire les marches. C'est tout ce qu'on a, les gens. Et quand on fait la marche, même les organisateurs, quand ils font une marche, ils disent, nous avons demandé de faire une marche pacifique. C'est ce qu'ils disent. Maintenant, l'autre camp, la police, moi, je ne pense même pas que la police a besoin d'être restructurée, bien qu'elle a besoin peut-être d'une amélioration. Et ce n'est pas pour contredire M. Christian, mais je vous dis que la police répond aux ordres. La police répond. Donc, ceux qui doivent être restructurés, ce sont les responsables qui donnent les ordres, qui doivent être restructurés, qui doivent s'améliorer, qui doivent maturer dans la culture démocratique. Il y a une marche, les gens marchent vers le Parlement, sortez, demandez aux gens, bon, donnez-nous un échantillon de 100 personnes et venez dans l'Assemblée nationale, participez, hein, voyez comment est-ce qu'on fait le débat, pour voir si le résultat sera conforme à la volonté populaire. C'est comme ça que... Mais est-ce qu'on en est là? Est-ce que nos dirigeants, nos responsables politiques sont à ce niveau de réflexion? Non. Ils veulent protéger les avantages, ils veulent conserver le pouvoir, bien que c'est pour ça qu'ils font la politique. Mais lieu de faire la politique comme vocation. Et quand on fait la politique comme vocation, on a le premier souci, c'est le peuple. Le peuple, c'est ça qui doit être le premier souci, bien qu'on utilise les moyens de l'État. C'est tout ce que moi je peux dire. Ok, alors on avance, qui encore? Oui, c'est regrettable, hein, de voir nos compatriotes mourir comme ça, comme des bêtes. Moi je dis, les meutes c'est bien, mais la responsabilité est plutôt aux commanditaires de ces émeutes-là. La population a besoin d'une éducation civique. Vous poserez la question à 90% de ceux qui ont été marchés, ils diront qu'ils ne savent même pas pourquoi ils marchent, ils ne savent même pas pourquoi ils se soulèvent, ils ne savent même pas pourquoi ils sont dans la rue. Ils diront, on nous a dit d'aller. Donc, un grand travail à faire du côté de nos responsables politiques quand ils en appellent à la rue. Ok, alors Christian, on va en terminer cette question avec toi, Christian. Oui, il est certes vrai que ce soulèvement ou ces marches ont dérapé. Nous avons vu des deux côtés, nous avons vu des policiers qui entraient dans des maisons, des civils cassés pour voler des téléphones masqués, tout c'est vrai. Bon, je n'appellerai pas ça émeute, contrairement à mon cher ami Olivier. Je crois que ce sont des marches, et dans toute marche, nous avons vu ça ici à New York, nous avons vu ça à Atlanta, c'était des marches pacifiques d'abord et qui ont dérapé d'une certaine manière, qui n'ont pas été bien. Les mouvements populaires, nous savons ce que c'est, nous avons tous été étudiants à l'UNIKIN, hey, vous savez, nous marchions, et il y a eu des cas ici et là. On ne peut juste pas encadrer toute une masse, il y a toujours des dérapages, de quelque partie qui soit. Il y a de la part des civils, nous avons vu des gens qui ont fait commis des actes odieux, de la part des policiers qui ne sont pas très bien encadrés par nos autorités politiques. Je n'appellerai pas trop ça émeute, j'appellerai des petits dérapages. Doit-on continuer avec ces marches? Oui, on doit continuer avec ces marches parce que c'est le seul moyen que nous avons de réclamer. On ne peut pas avoir des armes. La seule façon, c'est d'avoir des masques et des bouteilles d'eau en main et d'aller dire ce que nous pensons. Ça, c'est la seule chose qu'il pourrait dire en ce moment. Et voilà.
OK, très merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Je vais vous donner à chacun une minute pour donner son mot de la fin, son analyse ou bien une recommandation. Là, je commence par Kali. Votre mot de la fin. Bon, je tiens d'abord à vous remercier pour cette plateforme où nous pouvons exprimer nos points de vue politiques, sociaux et autres. Maintenant, en rapport avec la question de l'heure, nous avons débattu de la question du vice-premier ministre et aussi de la marche qui s'est passée. Je pense que c'est clair, ce qui s'est passé avec le premier vice-ministre, c'est bien qu'il ait démissionné. Je pense que c'est une éducation pour la masse populaire et aussi pour certains politiciens. Mais concernant la marche, je vais me répéter, elle est vraiment nécessaire. Je n'appellerai pas aussi ça émeute, comme Christian l'a dit, disons l'a corrigé, bien réagi, parce que l'émeute, généralement, c'est un événement spontané et non organisé, par définition du mot émeute. Donc, ce qui s'est passé, ça a été organisé. Il y a eu peut-être des dérapages, comme des débordements, comme on a dit, mais il y a eu provocation d'une part ou d'une autre. Ça, je n'étais pas sur le terrain pour savoir d'où c'est venu. Mais la marche est un moyen nécessaire. Je pense que c'est un droit constitutionnel, même en RDC, pour faire valoir ce que une tranche de la population trouve que ses droits ont été lésés et qu'ils veulent faire une démonstration ou une réclamation. C'est tout ce que je peux dire. Donc, j'encourage mon peuple, j'encourage notre peuple pour soutenir vraiment ce qui se passe et rester vigilant pour ne pas donner libre cours à ceux qui veulent travailler contre la volonté populaire. OK, merci beaucoup, Monsieur Kali. Et nous espérons que prochainement, vous ne manquerez pas encore de venir, puisque ça, c'est une façon, vous l'avez dit, de nous exprimer. Et nous allons multiplier cette forme de forum pour les gens de l'espora. Merci beaucoup, Kali. Merci. Alors là, c'est Maître Olivier, votre mot de la fin. Je remercie tous les participants. J'ai aimé. J'encourage ce genre d'initiative ou ces forums où l'on vient analyser et j'ai aimé le niveau du débat. Félicitations. OK, merci beaucoup. Espérons que prochainement vous serez encore avec nous puisqu'on va multiplier ces genres de forums, comme je l'ai dit. Grand merci, Maître Olivier. Oui, pour paraphraser. Christian Kalis, alors votre mot de la fin et puis. Oui. Oui, juste pour saisir l'opportunité pour remercier encore l'hôte de ce jour qui n'est autre que donc encore, c'était un plaisir de participer. Et le niveau du débat avec mes deux confrères, Khalil et Olivier, encore, merci encore. Je crois que c'est une initiative qui devrait continuer, qui devrait être pérennisée. Et en ce moment, je sais que le Congo passe une situation, une situation politique très particulière où la coalition est en train de tâtonner un peu. Il y a des couacs ici et là. Et le peuple, cette fois-ci, qui a été martyrisé, qui a été bâillonné, qui a été pendant 18 ans ou 20 ans, a pu s'exprimer et continue à s'exprimer à l'œil ouvert et le bon. Je crois que c'est dans ce sens que nous devons évoluer. Ce qui s'est passé aujourd'hui, nous en payons les frais. Il y a eu beaucoup d'irrégularités, beaucoup de bévues dans tous les sens. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette structure évolutive où nous allons de l'avant. Et je crois que nous sommes dans le bon et que vive le Congo, ça c'est ce que j'ai à dire en ce moment. Merci encore pour l'opportunité m'est offerte. Ok, bon, vraiment, Christian, je te remercie aussi, espérant que vous serez avec nous très prochainement aussi. Donc, à tout le monde et à tous, grand merci. Nous espérons que ce débat qui sera mis sur YouTube sera suivi et les gens pouvaient vraiment s'inspirer.
et que nous pouvons avoir beaucoup d'autres personnes. Merci et à la prochaine. Merci encore et bon.